Salut, j'espère que tu vas bien. Moi aujourd'hui, grâce à Dieu, je vais bien. En plus, je suis accompagnée du bel homme qui est à côté de moi, qui n'est autre que mon époux. Francis est avec moi aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, moi c'est Caroline. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans la vidéo? Aujourd'hui, on va parler de notre rencontre. Voilà, parce que vous nous l'avez demandé depuis... Trop demandé. On était au lycée et moi, j'allais en cours de français. Et en fait, lui, il a engagé la discussion. Oh, engagé, c'est un gros mot. Bébé, arrête. Engagé. Mais écoute. Engagé. C'est elle qui a vu. Elle dit, mais il a un doudet. C'est pas vrai. Mais tu viens voir. J'ai dit, madame, faut laisser, je suis chrétien, tu veux pas. Je rigole, vas-y. Et en fait, il m'a arrêté. Et puis, il me dit, excuse-moi, je peux te poser des questions? Enfin, à peu près, une comme ça. Je suis allé la voir, je dis bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, jeune demoiselle, quelle est votre appellation? Non, je rigole. Comment tu t'appelles? Tu viens? Voilà, c'était des présentations, voilà quoi. C'était vraiment de savoir qui elle est, c'est tout. C'était vraiment ça. Ça l'intéressait de savoir qui j'étais. Parce que la première fois que lui, il m'a parlé, moi, j'attendais mon frère à la sortie du lycée. Et son frère me regardait méchant de loin. je me rappelle de ça ce jour-là. Jérémy, si tu vois cette vidéo, mon frère, je t'aime. Mais ce jour-là, tu m'avais fait très peur. Quand sa classe est sortie, il a vu que j'étais là posée à rien faire. En fait, en gros, j'attendais mon frère. Il m'a dit bonjour, ça va? J'ai dit oui, merci. Franchement, j'aime beaucoup les ça va. Et après, il est parti. Ah ouais. Étoile filante, hein. Bonjour, ça va? Et c'est pour ça que du coup je peux pas oublier parce que je me suis dit ok. J'ai tâté le terrain. Est-ce que je peux ou je peux pas? Je peux ou je peux pas? Ah, peut-être qu'en fait t'es parti parce que t'as vu mon frère. Ah, je pense que c'était pour ça. J'avais une autre amie, une copine. Oui. Et en fait il a demandé à cette copine mes réseaux. Mais c'est ça, non? J'ai pas demandé les réseaux, hein. J'ai demandé, parce que je parlais bien avec elle. J'ai dit, c'est qui la fille? Elle m'a dit, ah, mais c'est une Martiniquaise, nanana. Je la trouve jolie, hein. Elle est joliment jolie, hein. Puis on a discuté sur les réseaux. on s'est échangé nos numéros de téléphone aussi. Oui. Et on n'est pas tout de suite, c'était pas tout de suite en mode love. Ah ben non, c'était... Parce qu'en fait, ok, peut-être la première approche pour lui, c'était parce que voilà, il me trouvait jolie, mais bon, voilà. Ah, au début, c'était une amitié. Enfin, c'était la friendzone, on peut dire quoi. La friendzone, hein. Des deux côtés, hein. Ouais, friendzone. À force de discuter, à force de traîner ensemble, ouais. À force de s'appeler, parce que bon, des amis qui s'appellent le soir aussi. Après, elle parle longtemps. À l'église, je me rappelle. Elle me dit, viens à l'église, machin. Mmh. Et c'est là que j'ai découvert ma future belle famille. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En ce temps, c'était la famille de ta pote. Ouais, c'était pote, mais ton frère m'en allait toujours méchamment. Et bon, après... Je suis désolée, je me suis pas rendu compte, mais je mange devant vous. De fil en aiguille, on a tissé des liens, ça commençait à devenir ambigu. Mm-hmm. Et à chaque fois que la relation débutait, j'ai mis 3 stops. Même 4, hein. Friend zone, hein. 4! Parce qu'en fait, je voulais être sûre, je priais, je disais, est-ce que c'est lui? Le jour où on s'est vraiment mis ensemble après, c'était un jour où j'étais invitée chez mes parents. Oui. Et on avait fait un repas. Et puis, je crois qu'on était allé au parc en bas de chez nous. Ah, et le fameux jour. Et puis c'est là qu'on a discuté sincèrement, sérieusement. Oui. Où on a dit les vrais termes. Uh-huh. Où on a aussi bien prié. Mm-hmm. Tout ce qu'il fallait. Et puis on s'est dit, ok, on y va. Verra. On verra où. Oui. Où Dieu va nous emmener, en gros. On verra où ça va nous mener, quoi. Voilà. Et du coup, après ça, j'en ai parlé à mes parents. Et puis, je sais pas si toi, t'as parlé de tes parents, je pense pas. Ouais. Si, ça va être là. J'en ai parlé. Je lui ai parlé et voilà. Ça a marché. Ah, le Congolais est fort, hein. Et sur ces bonnes paroles, on va clôturer la vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Et puis, voilà. Ok, voilà. Au revoir. Bisous.